informations qui nous parviennent, qui commencent à circuler. Tout d'abord, ces informations-là ne viennent pas de moi. Il semble que un accord ait été trouvé entre le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, et les responsables de l'armée russe. Donc il y a eu une médiation. La médiation a été jouée par le président de la Biélorussie, Loukachenko, qui a décidé de prendre part à cette médiation. Et donc les informations qui sont publiées expliquent que les négociations ont duré toute la journée et qu'en conséquence, ils ont réussi à trouver des accords sur l'inadmissibilité de déclencher un massacre sanglant sur le territoire de la Russie. Evgeny Prigozhin a accepté la proposition du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, d'arrêter le mouvement des personnes armées de la société Wagner en Russie et de prendre de nouvelles mesures pour désamorcer les tensions. Donc, pour le moment, sur la table, Prigozhin a dit que c'est la meilleure solution et rentable, et donc il accepte cette situation, cette proposition, avec des garanties de sécurité pour les combattants de PMC Wagner. Bon, pour moi, je trouve ça tout à fait normal parce que déjà au début de la journée, le ministre de la Défense, Shoigu, parce que vous savez, contrairement à ce que les médias mensonges français et occidentaux, notamment LCI, etc., sont en train de propager, depuis le début de l'incident qui a commencé hier, vendredi 23 juin, Prigojine n'a jamais attaqué Poutine. Prigojine ne se s'est jamais pris à Poutine. La cible directe de Prigojine n'a jamais été Poutine, puisqu'il le dit et il a redit que Poutine restera président à la tête de la Russie, mais qu'il y avait des traîtres au sein de la Fédération de Russie, notamment à la tête de l'armée russe. Donc ces traîtres-là, pour lui, c'était le ministre de la Défense russe et en même temps le chef d'état-major Garisimov. Donc quand il était à Rostov déjà, les négociations qu'il faisait avec le vice-ministre de la Défense qui a été dépêché à Rostov pour parler avec Prigojine, les revendications de ce dernier n'ont jamais changé. Il demande à ce que le président livre Shoigu et Garisimov, qu'il considère comme des traîtres, et que selon lui, Shoigu a menti sur les vraies intentions de l'opération spéciale déclenchée en Ukraine. Et donc, pour lui, ce ne sont plus des gens qui sont fiables, et il les qualifie de voleurs, de gens qui volent l'argent du peuple, etc. Mais pour ceux qui ont déjà suivi mes analyses sur la situation, je vous avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos qu'il y avait un conflit entre Prigojine, le patron de Wagner, et le ministre de la Défense russe, qui était Shoigu, et que la base de ce conflit remonte en Syrie. Ça veut dire que c'était lors d'une opération de Wagner en Syrie, menée en Syrie, où les Américains ont détecté les hommes de Wagner dans une région de Syrie, après avoir contacté l'armée russe en demandant si c'était les hommes de la Russie dans cette région qui sont partis pour mener une opération. Shoigu avait déclaré aux Américains que non, que la Russie n'avait pas déployé des hommes dans cette partie de la région et que surtout que l'armée russe n'était pas en opération. Et donc suite à sa décision, l'armée américaine avait procédé à des bombardements des positions des soldats de Wagner
beaucoup de soldats de Wagner sont tombés ce jour-là. Et donc, depuis ces années, il y a des tensions, il y a, comment dire, on va dire comme ça, une haine de Prigozhin envers Shoigu, parce que pour lui, c'était une trahison, le fait que le ministre de la Défense savait que les hommes de Wagner étaient en Syrie, dans cette région, dans la ville où ils ont été bombardés, mais il a osé dire aux Américains que l'armée russe n'était pas en opération. Donc pour Prigozhin, Shoigu aurait pu protéger ses hommes en disant tout simplement que oui, la Russie menait une opération dans la ville, surtout que c'était apparemment une opération pour prendre le contrôle d'un lieu très stratégique pour la Russie en Syrie, quand la Russie est partie soutenir le président Bachar al-Assad. Donc voilà la source de ce conflit qu'il y a entre ces deux hommes. Malheureusement, cela ne s'apaise pas depuis. Et donc ça a augmenté crescendo. Et on a pu aussi observer depuis quelques semaines que subitement, Prigozhin publiait beaucoup de messages, des déclarations, surtout des déclarations très radicales, et que dans sa façon de communiquer, il visait de plus en plus les responsables de l'armée russe qui sont Shoigu et Garisimov. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, depuis quelques semaines en Russie, le ministère de la Défense a publié un communiqué, en tout cas, il y a une note qui fait état, qui invite les sociétés, c'est-à-dire les sociétés SMP, les sociétés militaires privées en Russie, à signer des accords avec le ministère des armées, le ministère de la Défense en Russie. L'ensemble des sociétés privées militaires existantes en Russie ont accepté de signer le contrat, mais sauf Prigozhin, qui a refusé et qui ne voulait pas signer un contrat avec le ministère de la Défense. Et suite à cela, Prigozhin a commencé à publier des déclarations disant que le ministre de la Défense, Shoigu, voulait prendre possession de la société de Wagner, etc. Que, ils veulent que Shoigu voulait anéantir Wagner parce qu'il refuse de signer un accord avec le ministère de la Défense. Sauf que quand on fouille bien et quand on on cherche, quand on va à la pêche aux informations auprès de quelques officiels russes, on comprend tout de suite qu'il y a effectivement un conflit entre ces deux, pas seulement à cause de la situation qui s'est passée en Syrie, mais aussi ce qui s'est déroulé, le fait que le ministère de la Défense demande à ce que le PMC Wagner signe un contrat avec le ministère de la Défense. Et donc, pour Prigozhin, ce n'était pas bon pour lui. Vous savez, parce que mine de rien, c'est aussi un homme, on peut le dire, qui est très intelligent, qui est très calculateur, il a aussi des ambitions, il a ses propres ambitions, ça on peut pas le nier, il a ses propres ambitions. Donc le fait de signer un accord avec le ministère de la Défense, pour lui peut-être cela met en danger ses ambitions. Et ceci dit que c'est monté crescendo parce que puisque Prigozhin a refusé, moi je vous explique les informations que j'ai obtenues auprès de quelques sources russes, étant donné que le ministère a proposé ce contrat à Prigozhin qui a refusé, vous savez que le ministère de la Défense a décidé de ne plus fournir des munitions, de l'armement aux hommes de PMC Wagner. Souvenez-vous, Prigozhin n'avait pas hésité à publier des vidéos en faisant des déclarations pour dire que Shoigu refusait de fournir des munitions, qu'ils étaient bientôt à court de munitions quand ils étaient dans la ville de Bakhmut. Et donc c'est à cause de ça, étant donné que PMC ne veut pas signer un contrat avec le ministère de la Défense,
Le ministère de la Défense a décidé de couper le robinet, c'est-à-dire de ne plus ni fournir des munitions, ni aider quoi que ce soit en matériel Prigozhin. Donc ça a déclenché un peu la fureur de ce dernier, et d'autant plus que en signant ce contrat pour le ministère de la Défense, puisque le commandant suprême en chef, qui est Poutine, a validé les propositions du ministère de la Défense, parce que cela permet à ce que le ministère de la Défense puisse payer les hommes directement qui sont dans ces sociétés, et comme ça, ils sont enregistrés et les choses sont mieux coordonnées. Mais Prigozhin, lui, ne voulait pas ni signer les contrats, ni, comment dire, suivre les décisions du ministère de la Défense, mais il voulait en même temps qu'on puisse continuer à le fournir des matériels, des munitions, tout ce qu'il a besoin. Donc c'est là le conflit un peu s'est accéléré entre ces deux hommes. Néanmoins, avec ce qui s'est passé hier, moi j'ai passé ma journée aujourd'hui à parler au téléphone avec quelques officiels de la Russie pour comprendre la situation. Déjà, j'étais un peu au courant, je savais qu'il y avait un peu des tensions entre Moscou et Wagner, c'est-à-dire le patron de Wagner, suite à ses positions qui ne plaisaient pas trop Moscou. Et donc, il y avait déjà des tensions qui existaient. Et il y a même 10 jours, on en a discuté de cela avec certains officiels russes, etc. Donc moi, je savais pertinemment qu'un problème existait et que les autorités, le Poutine, voulaient régler les choses dans le calme, parce qu'encore une fois, on observe que Poutine n'est pas un président qui veut faire couler le sang de son peuple. Parce que ce qui s'est passé, clairement, on sait tous que PMC Wagner ne contrôle pas l'aviation, ne possède pas d'armée de l'air. Donc si réellement Poutine voulait écraser ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, ça prenait 10 minutes pour le faire. C'était vite fait. Réfléchissez. Donc ceux qui ont vraiment cru que Prigozhin allait faire un coup d'État en Russie, vous savez, les médias qui ont commencé déjà à parler de coup d'État, qui étaient sûrs que Prigozhin était parti pour renverser Poutine, alors que le mec, depuis le début, il continue de faire allégeance à Poutine en disant que le problème n'est pas Poutine, mais les responsables de l'armée russe qui trompent et qui ont trahi les vraies intentions de la Russie, etc. Donc ceux qui, depuis 24 heures maintenant, les médias, les journalistes occidentaux qui sont à fond dans la propagande otanienne américaine et qui sont au service de l'impérialisme, qui font croire à leur peuple, que aux populations, aux gens qui ont du mal à réfléchir, c'est-à-dire ceux qui manquent de rationalité, ceux qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, en faisant croire que parce que Prigozhin possède une société militaire privée et que ce dernier avait la capacité de mener un coup d'État en Russie. Moi, je vous ai dit sur Twitter que ceux qui pensent et ceux qui propagent ces informations sont les mêmes qui nous ont fait croire pendant presque 3 ans, hein, sur les mêmes médias, qu'il suffisait d'aller se faire injecter je ne sais quoi et on n'attrapait pas le co. Vous avez compris ou pas? Alors qu'on savait tous que c'était faux, que même en prenant leur poison, soi-disant censé protéger contre ce qu'ils appelaient le co, les gens attrapaient quand même et que les gens mouraient. Et je dis encore que ceux qui croyaient vraiment que Prigozhin, avec ses 20 000 hommes peu loyaux envers ce dernier, parce que oui, on parle de Wagner. Wagner, ce ne sont pas non plus des militaires, qui prêtent allégeance, etc. Ce sont des gens qui sont avant tout engagés parce qu'il y a un salaire, etc. Donc ceux qui ont cru que Prigozhin allait faire un coup d'État sont les mêmes qui croient que le Père Noël existe.
ce sont les mêmes qui pensent que le Père Noël existe, parce que réellement, il suffit de parler ou de connaître des gens en Russie pour voir la configuration du pays et se rendre compte que c'est impossible pour Prigozhin ou d'ailleurs pour n'importe qui de mener un coup d'État, de faire un coup d'État en Russie. Parce que l'appareil sécuritaire derrière Poutine est vraiment gros, énorme. Et c'est pas, comment dire, le président de Burkina Faso ou le président du Mali ou du Togo qu'on arrive, on envoie 5000 hommes ou 300 personnes et qu'on saute comme ça. Non, là, on parle quand même de président de la Fédération de Russie, une puissance nucléaire. Donc, l'appareil sécuritaire, tout le monde le sait que c'est quelque chose de très gros. Mais puisque les Occidentaux, avec leurs médias et leurs soi-disant journalistes que moi je qualifie d'agents de l'oppression impérialiste, sûrement le savaient que ce n'est pas possible. Mais vu qu'ils veulent tellement renverser Poutine pour se partager la Russie, parce que le rêve absolu des États-Unis et de ses alliés, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l'OTAN, etc., c'est de renverser Poutine et de se partager la Russie en le partitionnant. Parce que oui, la Russie possède énormément de richesses dans son sous-sol. Donc, faire tomber Poutine et se partager la Russie, c'est le rêve absolu des Américains et de ses alliés. Donc, depuis hier, moi j'ai pris le temps, je discutais énormément avec ces personnes qui sont directement sur place, et j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose. Au-delà de cette, comment dire, de l'incident qui s'est déroulé, moi j'ai quand même appris, j'ai réussi à avoir des informations. Alors, j'aimerais aussi que vous puissiez me laisser vos avis dans les commentaires. Et moi, les informations que j'ai reçues, et pour moi, c'est crédible, je peux donner une crédibilité. Parce que est-ce que vous ne pensez pas que tout ce qui vient de se passer depuis 24 heures maintenant, peut-être est en coup monté en interne avec les autorités russes pour démasquer les traîtres qui sont à l'intérieur. Parce que souvenez-vous, depuis quelques semaines, il y a des rumeurs qui circulent. Prigozhin n'hésitait pas à dire déjà qu'il y avait des traîtres au sein de l'armée russe, qu'il y avait des hauts fonctionnaires qui sont corrompus et qui trahissent la patrie, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Donc, en déclenchant l'incident qui vient de se terminer officiellement, est-ce que ce n'est pas une façon pour Poutine, pour les autorités russes, de faire une purge? Parce que, vous savez, quand Prigozhin a déclaré qu'il allait marcher ou qu'ils allaient vers Moscou et qu'ils allaient renverser les choses parce qu'il y a X ou Y, il y a peut-être des personnes, des traîtres, des corrompus en Russie qui ont peut-être cru à cette mascarade et qui sûrement se sont déclarés ou qui ont pris contact avec Prigozhin pour essayer d'appuyer ce plan, de soutenir l'initiative éventuelle de faire un coup d'État en Russie. Et donc moi je pense, quand je discute avec les officiels russes, c'est ce qu'ils me disent, dans les jours à venir ou les semaines à venir, il risque d'avoir des purges. Il y aura une purge et des gens se feront arrêter parce que clairement l'événement a permis aux autorités russes de savoir maintenant qui sont les traîtres et qui ne le sont pas. Donc pour moi c'est un piège d'un côté que peut-être Prigozhin, tout en essayant de se faire entendre, ou voilà, on connaît le personnage, hein, son côté un peu fureur, etc., a peut-être mis certaines personnes dans de vrais problèmes. Parce que là maintenant ces personnes sont démasquées, on sait que ces personnes sûrement étaient prêtes à soutenir un coup d'État contre le président russe. Et donc maintenant, ces personnes se feront arrêter et sûrement juger. C'est pour ça que quand on va sur le canal Telegram de Prigozhin,